Tu vois, le message a été envoyé, ma belle. Pas le message que tu espérais. Désolé de te le dire. Et alors, hein, c'était si accueillant que j'avoue que j'ai un peu hésité à m'enfuir. J'ai pris soin de noter l'emplacement du campement de Laurence, bien sûr. Ce qui veut dire que le train le connaît aussi. Deux fois, tu as annoncé au train que tout allait bien, mais... je lui ai dit exactement où frapper. Le monstre est à vos trousses, ma belle. Et il va venir vous exterminer, toi et ta petite bande de rebelles. D'abord, la tempête de feu de l'artillerie. Et puis, le tour des soldats de passer à l'assaut pour achever les survivants. La légende de Laurence Darabé prend fin ce soir. Navarre ne cessera plus de nous traquer maintenant. Non, en effet. Laisse-moi réfléchir. Le train viendra d'assez loin. Il fera donc un arrêt pour se ravitailler en eau et c'est là qu'on devra intervenir. D'accord. Je m'occuperai des sentinelles et je poserai des explosifs sur les rails. Et moi, je rallierai nos hommes. Quand la voie aura sauté, le train sera coincé. Donc à l'instant où tu entendras l'explosion, tu devras déclencher l'assaut. D'accord. Mais garde à l'esprit que nos hommes ne viendront peut-être pas. Il est probable qu'après le déclenchement de l'explosion, tu te retrouves toute seule. Est-ce que t'en es consciente? Mais de toute façon, je ne le saurai qu'après l'explosion. Prépare des plans, et Dieu en rit. Naturellement, de nombreux Ottomans occupaient la petite ville où nous devions tendre une embuscade au train. Il faudrait s'occuper de ces troupes avant de pouvoir placer les explosifs. Thank you.
Une fois la ville nettoyée par Zara, nous pourrions armer le piège pour le train qui approchait.
toi, mère. Comment est-elle pour toi, Zara? Mais t'as raison, pensons à l'avenir. Voyons les choses en grand. Pourquoi pas le canal de Suez? Dis-moi. Tu t'y connais un peu en bataille navale ?